Dans une province reculée de la Chine, il y avait un vieux paysan qui travaillait ses terres. La vie était difficile pour lui. Quelques inondations, quelques tremblements de terre avaient détruit tout ce qu'il avait. Mais avec courage et persévérance, il était reparti. Il avait reconstruit. Il avait maintenant une petite ferme, avec son fils aîné qui travaillait avec lui. Ce paysan possédait quelque chose que tous lui enviaient, un cheval remarquable, une belle bête. On lui en avait offert un prix fabuleux, mais il avait toujours refusé de le vendre. « Je l'aime beaucoup, comme mon propre enfant, » disait-il. Un jour, il vient s'occuper de son cheval et il trouve la porte de l'écurie entrouverte, la corde cassée. Le cheval a disparu. Il fait le tour de sa ferme, mais il ne le retrouve pas. Il fait alors appel à ses voisins pour l'aider à le retrouver. Chacun prend son propre cheval et tous partent dans une direction différente, à la recherche du beau cheval. 3 heures plus tard, tous reviennent bredouilles. Pour remercier ses voisins, le vieux paysan les invite à prendre le thé et à discuter un peu. Tout en buvant le thé, son voisin lui dit « Quel malheur, ton cheval, cette bête merveilleuse à laquelle tu es tellement attaché, et le voilà maintenant disparu. Est-ce un bien ou est-ce un mal ?» questionne le vieux paysan. Qui peut le savoir ? Quelques jours plus tard, le vieil homme sort devant sa ferme et se retrouve nez à nez avec son cheval, s'apercevant aussitôt que, tout autour de lui, il y a une douzaine de chevaux sauvages qui tournent dans tous les sens. Son cheval s'était enfui loin, loin dans la plaine, et en revenant, il avait attiré derrière lui une horde de chevaux sauvages. Le vieux paysan appelle son fils pour faire entrer tous ses chevaux dans l'enclos. Et le voisin vient à passer. « Qu'est-ce que c'est toutes ces bêtes ? » demande-t-il. « Eh bien, » dit le vieux paysan, « c'est mon cheval qui les a attirés derrière lui en revenant du fond de la plaine. »« Quel bonheur !» dit le voisin. « Toutes ces bêtes sont maintenant à toi. »« Est-ce un bien ou est-ce un mal ?» demande le vieux paysan. « Qui peut le dire ?» Son fils se met au travail pour dresser les chevaux sauvages et, malencontreusement, se fait éjecter et tombe rudement sur la terre et se brise net les deux jambes. Alors, appelant au secours son voisin, le vieux paysan discute avec lui tout en transportant son fils sur un brancard de fortune. Et le voisin lui dit « Quel malheur ! Ton fils, ton bras droit, ta force de travail, le voilà immobilisé pour plusieurs semaines. « Est-ce un mal ? » dit le vieux paysan. « Ou est-ce un bien ? Qui peut le savoir ?» 3 semaines plus tard, on voit arriver sur la place du village une troupe de cavaliers. Ce sont des soldats et des officiers du roi, qui viennent enrôler de force tous les jeunes gens valides pour partir à la guerre. Tous doivent partir, sauf le fils du paysan, qui n'est pas encore guéri. Alors, un peu triste, le voisin vient retrouver le vieux paysan et lui dit « Quel bonheur pour toi !» Certes, c'est ennuyeux que ton fils ait les jambes cassées, mais ça le préserve de partir faire cette guerre dont on ne sait pas dans quel état nos propres enfants vont revenir. « Est-ce un bien ? » dit le vieux paysan. « Est-ce un mal ? Qui peut le dire ?» La guerre se déroule, la guerre est gagnée, et quelques mois plus tard, tous ceux qui étaient partis reviennent. Ils emportent avec eux un important butin de guerre.
Alors le voisin vient trouver le paysan et lui dit « Quel bonheur ! C'était bien que ton fils ne parte pas à la guerre, mais maintenant, ceux qui sont revenus ont emmené avec eux un véritable trésor de guerre, et on vivra bien mieux qu'avant. » « Est-ce un bien ? » dit le vieux paysan. « Ou est-ce un mal ? Qui peut le dire ?» « Argent vite gagné, argent vite dilapidé, » dit le proverbe. Les jeunes du village dépensent cet argent pour acheter des choses plus ou moins utiles, plus ou moins futiles. Le trésor se vide peu à peu et ils retombent tous dans la misère. Et cette misère-là est encore plus lourde à porter après avoir fait l'expérience de l'abondance. Alors le voisin vient trouver le vieux paysan et lui dit « Quel bonheur ! Ton fils n'est certes pas revenu riche de la guerre, mais il n'est pas tombé non plus dans cette misère noire et démoralisante dans laquelle sont en train de sombrer nos propres enfants. » Et bien sûr, le paysan le regarde et lui dit « Est-ce un bien ? Ou est-ce un mal ? Qui peut le dire ? » Si vous pensez tout comme moi que la sagesse transmise dans ce conte taoïste gagne à être connue, je vous invite à partager la vidéo à vos contacts. Et pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner, sans oublier d'activer la clochette grise pour en recevoir les notifications. Merci pour votre attention et à bientôt.